Hello, good evening. It's my great pleasure to present this Haitian Studies Organization workshop about Haitian visual art. Our goal with Carlos Celius and Cécile Axilien as conveners is to bring more attention to especially Haitian artists and Haitian art historians. We invite you to join our discussions on October 5th. We will have two live Zoom discussions as part of the Haitian Studies Organization annual conference, one with three artists, which will be run by Kayama L. Glover and Laurent Dubois, and a second one with specialists of Haitian art in universities in the Caribbean and in the United States. It's my great pleasure to introduce my colleague, Carlos Celius, who is one of the ideas behind this project and also whose monumental work as a Haitian art historian will soon be translated into English and published. To you, Carlos. Merci un peu, Alessandra. Pour commencer, il faut me dire que première fois que je me rencontre avec travail Ulrich, ça fait longtemps, c'était dans Port-au-Prince, début années 80. C'est ton exposition sous histoire d'Haïti, son exposition œuvre monsieur sur l'histoire d'Haïti. Et c'était dans l'Institut français d'Haïti. À l'époque, j'ai fait commencer à chercher qu'on est, garder ça, tissu à faire dans le pays. Et je pas caché, l'homme tombé sur le tableau, monsieur, j'étais un petit gens vraiment impressionné, quoi, parce que c'est la première fois que j'ai vu style peinture, ça, qualité de travail, ça, etc. Mais style travail, là, était dans la tête depuis le ça. Ça qui fait que depuis mon tableau, si mon tableau de loin pas ouais signature, m'a senti que forcément c'est mieux parce que style là est dans tête moins quoi. Me penser que c'est peut-être même pas là pour tout le monde. Elle a dit que lors rencontre de Gabon Dieu ou pas qu'à oublier pour reprendre facture travail là. Mais moi tableau moi travail monsieur depuis longtemps même pas de gens une chance rencontrer ça pas fait longtemps de croiser grâce à Cécile Axilien faut moi remercier Cécile pour ça et le monsieur tes deux passages ça pas longtemps ça dans Paris et puis nous t'ai commencé à parler et puis nous t'ai dit faut que nous continuions à parler donc bien content aujourd'hui nous gagnons occasion ça pour continuer une conversation que nous commençons ça pas fait longtemps depuis Paris. Alors, Eric, comment est? Ah, moi bien, ma bonne, je dis à vous. Bon, enfin, moi frappé. Mais ça, tu m'as fort. Bon, femme dit que, femme dit mon nom, bon, déjà au comptable de Vaola, il y aurait son artiste professionnel, goé. Mais, m'a commencé à souligner que, ou sont artistes professionnels, mais carrière professionnelle où c'est plus États-Unis le développer. Moi, je connais que il y a plusieurs artistes haïtiens, artistes lakay, qui, quand ils sortent Haïti avec métier, qui allaient l'autre côté, États-Unis, l'autre côté, etc., mais qui pas arrivé. M'a dit faire une carrière professionnelle à l'étranger. Hein? Et peut-être ça, l'état bon comment c'est pas dit nous, comment arriver Kembe? Ça dit comment arriver faire tête tout ou non artiste professionnel dans le pays étranger. Bon, merci, c'est vraiment une belle question. Bon, moi-même Jean que moi été commencé. Et on capable pour commencer expliquer depuis en Haïti au pas moins te commencer faire peinture depuis en Haïti mais moi c'est gain un monde
qui t'ai acheté peinture nan main en professeur artiste moi et l'avance exhumé li acheté peinture hein, et puis li pat konn aime nous pas rencontré mais là que fin acheté peinture après yon un an li retourné en Haïti et puis li dit que besoin rencontrer avec artiste moi-même. So avec ça li vin nous vin rencontrer et puis li offrim pour les régler en série de papiers pour moi pour faire moi quitter pays hein. Parce que dans l'époque ça lui même avec Marie le docteur Yves Jérôme c'était madame Jérôme et docteur Yves Jérôme Marie il a été fondé une association aux États-Unis qui était relé Haitian Cultural Society. Mais but association c'était pour promouvoir la créativité, travail artistique et je suis capable de dire comme ça pour promouvoir l'art haïtien. Mais avec tout intérêt, yo fait dommage pour moi côté que yo contacté Drexel Université Philadelphie. Drexel et arrangé avec yo voyez une lettre d'invitation ba moi en Haïti et puis yo même yo voyez une lettre d'invitation ba moi en Haïti mais yo te gen une sorte d'échange que yo te voulait faire entre artistes haïtiens et puis avec artistes américains so te gen quelques artistes américains qui étaient venus à Haïti tout et puis en 1977 moi entré aux États-Unis avec les moi recevoir lettre d'invitation hein moi arrivé aux États-Unis mais le moi arrivé aux États-Unis tout ça qui était aidé et rester focalisé les vins de côté de vision les vins de côté de tout intérêt les vins de côté des objectifs que je devais atteindre comme artiste. Je suis capable de dire que tout le bagage était pareil pour moi. Je pense que je suis dans un environnement, je suis dérivé dans un environnement, côté que tout le bagage était déjà chita bien pour moi. Côté que moi, j'ai un écrivain, un monde qui est capable de dire qu'il était un agent en publicité, côté que il est toujours écrit sur le travail moi, et puis interviewé. Il était déjà intéressé dans le travail, moi, même avant que je me rencontre avec lui, avant que je me vienne aux États-Unis. Mais vivre dans un environnement côté que tu es un pile intellectuel, tu es un historien, de vivre avec les Jérôme, Dr. Yves Jérôme et Madame Ni, et côté que tu es un pile monde qui te gagne un pile intérêt dans Haïti, dans la haïtienne, la culture haïtienne, et qui était toujours venu faire belle, ou prendre échange, venu de côté des dialogues, mais tout ça, tout est réellement inspiré. So, je suis capable de dire comme ça que plan, c'est pour me travailler sur collection, hein, collection historique, hein, et pour me préparer pour 2004. Si on a un projet devant 1979 à 2004, c'était vision pour me préparer pour une grande exposition pour te célébrer le bicentenaire de l'indépendance Haïti. Et il y a eu un support que moi j'ai besoin. Et parmi les gens qui ont eu un support, de même que il n'y a pas de support direct, il était indirect avec dialogue et conversation, tout ça que nous avons échangé. C'était mon tel que Maurice Sixto, qui était bon ami Dr. Jérôme, et puis qui était voisin, non? Qui était convié dans Kaila, et puis de temps en temps, tout, qui était convié dans la Kaili, Maurice Sixto et Madame Ni, Marie-Thérèse et Torchon Sixto. Et puis tant d'autres monde encore qui étaient toujours venus dans Kaila, parler, faire dialogue, monde qui était réellement passionné, qui était en vision. Pour changement en Haïti, tel que Dr. Gérard Ferret avec Madame Ni, et Dr. Latour et Madame Ni, et un pilote monde qui était venu, et Kaile Jérôme, et puis
fait échange de conversation, parler de tout et de rien, parler de l'histoire, parler de culture, parler de la vie sociale et tout bagaille, parler de politique. So, tout bagaille, ça a été entré en compte, nous capable de dire comme ça que d'une façon que nous déjoignons support dans toute façon. Et puis, premier monde qui était commissionné pour me faire une série d'illustrations pour livre, si monde, c'était Dr. Jérôme et Mme Jérôme, que ils ont réellement supporté. So, je suis capable de dire, l'instant ça, ça a été aidé, il a été encadré, il a été encadré côté que je suis capable d'atteindre l'objectif pour devenir un artiste professionnel. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas te laguer dans la nature. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on ouvre premièrement des gens qui ont un courage au travail. Ensuite, on ouvre un contexte intellectuel qui alimente les réflexions, etc. Mais à part ça, à part Mounsao, est-ce que, par exemple, vous avez gagné ou joindre tout de suite une galerie qui prend œuvre pour le vendre, par exemple? Oui, et moi j'ai gagné galerie ça à travers madame Yves Jérôme et docteur Yves Jérôme et j'ai gagné tout contact ça yo et moi pas besoin faire appel fort moi-même non seulement travail moi t'ai parlé pour moi mais en même temps yo même yo t'ai fait appel fort par exemple j'ai gagné les racines en Washington DC qui était réellement qui était toujours à promouvoir le travail moins, représenter le travail moins, tu as une galerie, les Beaux-Arts et Philadelphie, tu as un paquet de l'autre côté, tu as une Bruxelles Université, ou bien qui était toujours, ou bien intéressé dans le travail moins, montrer le travail moins, et puis un musée, ou bien afro-américain, et Philadelphie, et puis un paquet de l'autre galerie, Temple Université. Je suis tout intéressé dans le travail, moi, parce que le travail m'a représenté l'histoire. Et comme on connaît, Philadelphie, c'est la cité de l'indépendance, ou les États-Unis. Ce qui veut dire que moi, j'ai joué une niche d'inspiration parce que j'ai gagné Philadelphie et j'ai gagné un pile en commun avec Haïti. Donc, ou pas de problème, ou pas de problème pour Dadi, est-ce qu'on a marché, une espèce de marché de l'art aux États-Unis, compte tenu de type de peinture que tu as fait alors? Non, moi, pas de difficulté. Et il faut dire comme ça que, bon, dès qu'on joue une commission, il y a quelqu'un qui était comme commissionné, qui dirait, mais. Beauté travail moins au point de l'élevine de même si que sujet a capable et c'était focalisé sur histoire d'Haïti mais au point pour l'élevine de côté de beauté esthétique travail moins point fait que yo té gain l'autre intérêt tel que pour commissionner pour me peindre portrait pour yo et puis parfois yo quand commissionner pour me faire l'autre genre de peinture. Ça veut dire que en fait activité a un tableau qu'on fait et puis un tableau qu'on y a là mon yo commandé et tableau commandé yo un doit portrait et l'autre qualité bagaille et comment articuler tout de base ça c'est-à-dire que entre ça au commando et puis qu'on y a là ça ou même ou a créer pour faire qu'on a propre inspiration par. Eh bien bon pas de jambe aucun difficulté pour moi, parce que je suis toujours sûr, elle vient de côté de ça que moi, ça me voulait créer pour moi-même. So, tu es toujours une sorte de séparation. Par exemple, là que on m'a commissionné pour me faire un portrait, et les vins ont fait des connaissances artistiquement, et puis d'autres en plus tôt, et les vins ont un bagage qui est plus technique, open source. Avec ça, pas de gain aucun problème. Et il y a monde qui était commissionné pour me faire peinture historique tout. Mais on capable dire comme ça que bon, on travaille en pile et puis faire un pile recherche. On était qu'on levé, gain des jours, on était qu'on levé, on commençait à travailler à 7 heures du matin et puis on travaille toute la journée jusqu'à 7 heures du matin le lendemain.
capable de dire qu'on s'appelle peinture, surtout peinture historique, yo. Peinture ça a été ouais dans l'Institut français. Yo t'es allé, yo t'es fait une grande exposition qui était faite dans le musée national là, toujours. Avant que yo t'es allé dans l'Institut français, c'était le gouvernement haïtien qui était fait en sorte de vernissage. Et l'occasion fête du drapeau, c'était en 1980. Et c'était une grande exposition qui était faite. Ouverture, c'est un bagage privé, open pour une série de diplomates, ou un des gouvernements qui étaient responsables. Même capable de dire comme ça que, bon, travail ça pour moi, ou un l'aide que je travaille sur une série ça pour commencer en 1979. Gab dit comme ça pour moi, on pense comme quoi que moi j'étais long journée, on pense c'était de senti que on prendre son redevance que moi gagne envers pays d'Haïti. Et puis nous devons atteindre objectif ça elle vient de côté de réaliser peinture ça yo parce que peinture historique yo là que moi peint yo me senti que moi peint tout à non seulement me senti me peint tête point même senti moins peine tout haïtien parce que ce soit l'élevé côté de classe sociale nous toutes ou prendre nous même identité collective là donc à travers travail historique moins connaît que moins touché tout haïtien prendre il suffit que mon famille avec histoire ou prendre ça que l'été que religion qu'elle était les pratiquants hein? Mais il y en a bagaille que nous connaît pour sûr ou pas nous concerne identité collective nous tous sommes un seul côté ou pas comme haïtien non nous d'accord avec ça d'ailleurs et m'a pas sur ça dans semaine ça là bon article qui sorti non série journal en Haïti côté à parler de questions historiques et puis c'est une tableau yo mon mettez pour illustrer article là donc non mais ça va être intéressant mais et nous allons parler de tout ça mais bon bah qui que me dame me connaît mais ou parlez de et mon qui était autour monsieur et madame Jérôme etc et puis il y a mon qui commando on sait le portrait va comme ça mais est-ce que qu'on y est là pendant des années 70 à qu'on y est là est-ce qu'on a une espèce de photographie de qui qualité mon en général qui acheté tableau qui remet tableau. Bon, on peut dire comme ça que moi j'ai moun dans tout domaine, dans toute discipline, dans toute classe sociale qui admire peinture, qui apprécie peinture et puis bon, elle vient de côté des moun qui a acheté peinture, so moi j'ai moun dans toute classe sociale. On peut dire comme ça que bon, par exemple, j'ai et pour New Orleans en Louisiana moi il y a monde tel que cour suprême là et il était commissionné pour me peindre bâtonnière là pour cour suprême là et puis peinture il y a un musée dans cour suprême là. Peinture, c'est portrait officiel et bâtonnière. Et puis, peinture, ça actuellement exposé là. Et puis, il y a une organisation catholique en New Orleans qui commissionne pour me peindre Sainte-Catherine, Bruxelles. Et puis, il y a un monde tel que des Sisters of the Holy Family. Qui était commissionné pour me peindre un sainte, c'est Henriette de Lille que me passe d'après l'histoire que me passe qui connecté avec première génération les vins de côté des monde qui était quitté Saint-Domingue durant la révolution qui était venu sur lycée petit premier groupe ou bien immigrants qui venait qui devait Nouvelle-Orléans.
C'est moi-même qui ai été commissionné pour peindre un portrait officiel pour Henriette Delisle. So, très bientôt, moi pensé avec canonisation qu'a fait pour l'écolier, je pense que très bientôt, c'est lui-même qui a promis un cas premier sainte Nouvelle-Orléans. Et non, bon, je comprends que, et, premièrement, les gens qui sollicitent, ils sont divers, ils sont variés, ils sont dans toute classe sociale. Et ça veut dire déjà, ce n'est pas seulement haïtien. Et, oui. Mais les haïtiens, eux-mêmes, quelle catégorie de gens haïtiens qui achètent peinture? Majorité, qui aiment peinture en général. Oui, majorité de monde et l'élite de côté des haïtiens, je dis comme ça, majorité de monde, c'est professionnel. Je dis comme ça que plus de monde que moi gagne dans haïtien professionnel qui travaille moins et qui supporte le travail moins depuis même l'aime de commencer en Haïti. Je dis que c'est médecin, c'est un pile médecin. Un pile médecin, bon, et je dis comme ça que tout ça que m'a fait, tout changement qui fait la vie, et toute transition toujours, toujours fait avec un médecin. Quand je dis comme ça que pour me quitter Haïti, c'était un médecin. C'était un médecin avec madame. Et puis, là que je fait commencer à faire peinture en Haïti, le ça m'a beaucoup gain formation académique, là je viens de côté des peintures, mais premier groupe monde qui me fait peinture pour eux, c'était médecin. Au fond, c'était monde capable de qui gagne travail moi en Haïti, m'pa connaît au fond moi vinn nous vinn perdu au fond contact. C'est mon tel que les Raymond et docteur Adrien Raymond et madame Li. Et monsieur était médecin et puis m'koel était ministre des affaires étrangères et puis il était un collectionneur lui-même avec madame Li. Et puis c'est pour le premier point que m'était fait peinture et puis lui-même tout m'koel ta école de médecine au Mexique et lui-même était con peint tout parce qu'elle dit m'comme ça que l'école t'a prend cours anatomie du corps humain faut que il était il prend cours dessin peinture au point et puis il démontre que au point genre de peinture qu'il était peint et puis madame et tout et peint tout même quand on dit comme ça que monde ça c'est premier monde que qui gagne que m'était peint pour yo et qui était supporté mais qui était même voulait qui t'a regardé dans quelle mesure qui était même capable mon bourse pour me aller étudier peinture au point à Paris parce que moi yo même les remons ça yo et yo même qui était by moi c'était Edzer Charles au point yon bourse pour aller étudier peinture à Paris. OK, et gomba qui toujours intéressé c'est et relation artiste avec artiste et qui relation réussi établi avec l'autre artiste que ce soit artiste haïtien artiste étranger américain etc etc. Bon on va dire comme ça que à Philadelphie moi j'étais gain en pile j'étais gain en pile artiste au sein de la communauté a ou un artiste qui dans différentes disciplines bon te gain monde tel que Gaston Villers j'étais scientiste j'étais peintre j'étais écrivain et il est toujours tout ça c'est que toujours là avec nous ouais, Gaston Villers so, et puis Louis Lapointe qui était un poète et puis il y a Jean-Pierre Brist qui était peintre et puis il y a Jonas Allen Martin Montas qui était un poète nous avons collaboré ensemble et puis nous avons même publié deux petits livres ou bien qui était inclus travail moi et puis avec travail payo bon moi vin et puis te vin gain Edgar Roy côté que nous t'ai même partagé
studio atelier ensemble. Nous passons des années, on a toujours été en contact. Il y a Patrick Kua, New York, qui était toujours venu à Philadelphie, venu passer le temps, on va nous passer un peu de temps ensemble. Et puis, il y a Dubray, Henri Dubray, qui était toujours venu de New York, venu passer le temps avec moi. Donc, je peux dire comme ça que, bon, je viens changer l'environnement, je viens mouvre Nouvelle-Orléans, mais relation a continué à distance et puis moi j'ai rencontré différents artistes côté que nous fait échange de dialogue, nous parler des parties en commerce là, l'élevine des côtés des qui gens que nous fait ou prend qui gens pour nous gérer en série différents aspects là, l'aspect commerce là. Bon, je dis comme ça que nous fait exposition ensemble. Comme groupe et puis nous fait différents projets ensemble, parfois nous travaillons sur une série de projets ou bien collaborativement. Et ça pour haïtien New York a une association des artistes, c'était Carole de Bismet qui était fondée et puis moi-même il y en a monde qui te fait partie d'association ça ou une association ça toujours là ou mais il n'est pas aussi actif même gens que l'elle te fait fonder mais on capable dire comme ça que nous étions en contact ou nous étions en contact avec Carole de Mismet et puis comme chanteuse et nous toujours gain projet que nous travaillons sur le collaborativement tel que l'elle que les gagnons vidéo musicale qu'a fait et puis par exemple nous fait échange les que moins gain un documentaire qu'a fait sur moi elle est toujours généreuse pour utiliser musique li pour lui même tout moi même pour utiliser peinture dans vidéo quand ça laisse supporter l'autre. OK, mais et là, enfin, c'est intéressant. Bon, moi, en plus, parler de artistes haïtiens, ça veut dire qu'on n'a pas tellement gagné amis artistes l'autre nationalité ou bien qui ça? Non, moi, j'ai artiste l'autre nationalité, peut-être pas spécifié assez, mais nous avons une association des artistes, côté que moi, je fais partie de l'association, hein, et puis on gagne. Et communauté d'art Nouvelle-Orléans au point qui est réellement diversifié et puis moi j'étais réellement actif dans la communauté a surtout avec intérêt dans la communauté Nouvelle-Orléans on dit comme ça que l'élevine des côtés des connexions culturelles et historiques que Haïti au point partager avec Nouvelle-Orléans. So, moi-même, comme artiste haïtien qui a vécu Nouvelle-Orléans, so, Nouvelle-Orléans, pour moi-même, habiter Nouvelle-Orléans, c'est quand même habiter la niche inspiration. Je pense que en pile l'information, elle vient de côté de ça que Haïti contribue pour prendre non seulement à les États-Unis, mais surtout Nouvelle-Orléans. Surtout Nouvelle-Orléans, on pense en pile l'information. Et m'a regardé la recherche que m'a fait sur Nouvelle-Orléans sur connexion entre Haïti et Nouvelle-Orléans, il a montré que une première l'école peinture qui était construite Nouvelle-Orléans, c'était haïtien, c'était monde qui était sorti Saint-Domingue durant la révolution en 1805. Et il y a monsieur Terrible Joseph Balsam qui était conçu premier en école d'art Nouvelle-Orléans qui je dis à yore le French Quarter vieux carré, mais c'est là qu'il était conçu parce que m'a regardé d'après journal qui était publié là époque là il était fait il était annoncé grande ouverture dans le journal et puis il y a un premier journal qui était publié à Nouvelle-Orléans, c'était monde qui était sorti Saint-Domingue à cause des révolutions.
Et même, il y a des gens qui étaient dans la plantation, côté de l'ouverture, qui étaient habités dans l'habitation Bouéda. Lui-même, il était allé à Nouvelle-Orléans tout, et puis il était un journaliste. Il était publié dans deux journaux. Non, mais tout ça, c'est intéressant. Donc, du coup, Nouvelle-Orléans, c'est la caillou. Ouais. Et Gomba qui intéresse, par exemple, artiste peintre dans tout le monde, ça, haïtien, pas haïtien, etc., que vous avez fréquenté. Est-ce que c'est des artistes qui travaillent des styles différents que sont faits? Comment t'as dit qualifié œuvre, c'est-à-dire quel type de œuvre vous faites, et ensuite quelle relation qui gagne entre œuvre par ou avec œuvre par ou, est-ce que une portée on va à l'autre, etc. dans style n'a travail une à l'autre par exemple. Ouais, on peut dire comme ça que bon, ou comme on connaît artiste, les que ou quand un groupe artiste ou met ensemble après le point. En pile différence quand elle vient de côté du travail des artistes à l'autre artiste, mais en termes de style, bon, on va dire qu'on s'agit mon ou qui peint abstrait et puis gagnant peinture expressionniste, gagnant c'est qui dit c'est minimaliste, yoye, gagnant tout bon qui peint en quand dit qu'on s'appelle tu as plus souvent un néoclassique et puis mais ça qui venait l'élevé de travail pam il a montré un pile respect, il a montré un pile appréciation, même gens qui montré appréciation pour travail yo respecter travail yo, mais nous fait un pile dialogue et puis gagner par exemple qu'on a les peines en bagarre et puis il dit gagner qui qu'on dit moi il souhaitait que la peine lui conseille et puis moi souhaitais même bagarre là tout l'aime garder travail ou ben et puis ça que moi vin que l'élevé des côtés de beauté de là c'est la diversité liée, c'est pas la singularité ou ben c'est pas ou ben non c'est l'artiste là et puis pour dire ouais c'est les mêmes qui puis bon ou ben so moi que l'élevé des côtés de beauté ou ben c'est la diversité liée, c'est pas la singularité ou ben so et bien avec ça je suis capable d'apprécier le travail et puis même gens que yo apprécient le travail moi mais je peux faire un complément et puis bon et puis nombre était la communauté à hein, comme un monde que yo respecter même gens que moi respecter yo également ouais. Mais je dis comme ça que gagne une organisation me fait partie de lui-même après, moi, j'ai venu quitter l'organisation ça parce que j'ai venu Katrina qui vient arriver et puis moi, j'ai venu passer un temps pour habiter Nouvelle-Orléans. Mais comme moi, j'ai rempli un rôle qui était important, mais une position que j'ai dans l'organisation, je n'ai pas capable de passer un peu de temps pour me passer sur place. So, pour raison ça, j'ai venu quitter l'organisation, même j'ai toujours été en contact avec tout artiste. Nous avons toujours partagé, toujours fait échange de dialogue. Non, c'est intéressant. Il y a deux barrières. Il y a le fait que qu'on est là où. L'OAP vive, où on pile l'artiste qu'on rencontre, nous connaît, on a discuté, etc. Et bon, il y a un artiste donc qui mourit tout sans doute qu'on compte un vieux. Et il y a un artiste qui apprécie le travail, il y a un artiste qui apprécie le travail, enfin, c'est toujours comme ça. Et moi-même, le regard du travail, je me sentis que mon véritable culture artistique qui est vraiment solide, qui est fort, qui est riche. Donc, mais quand il y a là où dis-nous, parlez-nous de culture artistique, c'est-à-dire. Quel type d'artiste ou bien dans l'histoire qui intéresse ou qui ressent tout proche de yo, s'en prend la caillou, etc. Parce que, regarde, vous, où est l'œuvre la plein, quoi. C'est-à-dire, ou bon paquet de bagaille. Fallez-nous deux ans, petit crasse. Hein? Merci. Mais comme on connaît tout, on connaît, bon, on prend les queues. Et arrivons point dans la créativité artistique.
Les que vous prenez tout bagage sérieux, c'est quand vous vivez dans une sorte de processus qui plus sont bagage scientifique. Vous pouvez dire comme ça que, bon, elle vient de côté des intérêts PAM, elle vient de côté des artistes. Je vais commencer avec un artiste en Haïti, yo. Et artiste haïtien, parce que c'est là que j'ai commencé. Quand dit comme ça que bon artiste que là que moi t'ai commencé bourgeonner comme yon jeune mon moi t'ai exposé m'était réellement gain privilège m'était heureux et puis côté que moi t'ai exposé à Ervio et puis ça t'ai réellement aidé dans la fondation dans le développement c'était monde tel que Enguerrand Goug la Florence Exumé René Exumé monde ça yo et puis il y a un travail que m'était elle de côté de Marie Rose et de Rousseau mais c'est pas peinture historique yo c'était juste peinture quand qui était plus accentuer l'élevine de côté de beauté paysannerie. Mais je ne sais pas connaître qu'elle était comme une peinture historique. C'est jusqu'à après que je suis venu ça, je suis venu aux États-Unis après. Mais je ne sais pas où elle a travaillé. Je connais que y a une collection de travail. Je ne sais pas connaître si que y a des fondants, ou si c'est musée, Mupana qui gagne. Même pas ouais un peu le travail historique n'était que en Haïti ça que m'était ouais qui était impressionné c'est on peinture pas changé petite peinture même a changé tes con personnage la peinture avec Jean qu'elle était utilisé couleur Jean était utilisé lumière et puis ça était réellement impressionné le travail mais moins le ça me cap dit comme ça que artiste tel que monde que l'ouverture poisson Enguerrand Goug Daniel Lafontan tout monde ça yo c'était artiste que moi t'ai l'aime de garder travail yo t'ai ouais que c'est comme quoi que moi t'ai réellement au prendre yon privilégié au point du fait que des capable ouais admirer travail monde ça t'ai cap gain accès mais monde qui t'ai gain collection travail yo c'était les Remond. Comme moi j'étais quand fréquenter la caillou, j'étais quand la caillou et puis moi j'étais quand ouais collection yo. Et puis collection yo, tu gain tout artiste ça yo que me parler de eux même yo mentionné non yo. So c'était comme ça au point que moi j'étais commencé au point depuis ces monde ça yo qui était réellement l'aime de ouais travail yo. Pour moi même c'est quand que ou bien c'est d'abgader œuvre ou bien des dieux so c'était réellement fascinant mais et là que je viens aux États-Unis je viens l'autre intérêt tout et puis me garder ou bien me viens plus intéressé à travail tel que artiste européen tout ou bien quand dit comme ça que là je viens de côté des intérêts dans anatomie ou bien moi je viens intéressé dans travail ou prendre Michel-Ange et puis me venir intéresser dans travail Léonard et Da Vinci ou prendre pour gens que monsieur était réellement méticuleux là vient des côtés de anatomie du corps humain et puis la recherche dans toute invention lieu so et puis monde que m'était intéressé la travail c'était Pierre Paul Rubens. Moi t'ai réellement fasciné par le travail de Mozart. Mais je suis capable de dire comme ça aujourd'hui, pour dire comme ça moi, c'était une époque, mais je pas dire comme ça que moi pensé à eux même gens ou pendant qu'on pensait avec eux dans le développement. Je suis capable de dire comme ça que bon, si que moi travaille moins en pile mon intérêt dans travail moi mon cap dit comme ça que d'une façon on prend la fondation yo t'ai contribué directement mais c'est tout ça
Donc, ça voulait dire que, en fait, même si, en pile artiste, presque tout artiste toujours bon intérêt à l'histoire, comme tu as dit tout à l'heure, il y a artiste sur les mains, il y a artiste sur par les mains, etc. etc. Est-ce que, d'après vous-même, nan point où vous arrivez là, ou qu'a dit que travail ou a li rattaché en courant ou bien à un lot, etc. Que ce soit à Kounyela ou bien en Haïti, à l'étranger, etc. etc. Est-ce que vous senti, enfin, ou t'as qu'a dit travail ou a li rattaché à tel courant ou à tel lot? Well, li réellement difficile pour moi généraliser, mais son seul bagage m'a dit, bon. Et pour commencer, moi été influencé par yon tonton qui était un sculpteur. Ça c'était, m'a dit comme ça, premier dessin que j'ai fait, c'était par rapport avec les mêmes, c'est les mêmes qui t'ont inspiré. Comme Timon et le Sam capable de gagner 4 ans. Mais on va dire comme ça aujourd'hui hein, et travaille moins et moins ouais les que moins les monde parler de peinture surtout peinture historique ou bien un artiste qui montrait en pile concentré sur Haïti bien que moi pas vivre en Haïti mais on va dire comme ça travail moi li réellement connecté avec un peu le monde parce que grand pile artiste qui dit que moi rencontré pour la première fois qui dit comme ça il est inspiré par travail moi et puis moi capable dire dans sens ça que travail moi servi comme source d'inspiration pour un pile l'autre jeune artiste qui a venu et ou bien souhaiter que artiste ça yo y a inspiré y a prend ça que yo jeune de travail encore maillon enchaîne et puis continuer avec lui mais toute intention c'est pour moi c'est pour travail moi rester pour servir ou prendre pour servir comme exemple et collectif pour tout le monde qui a grandi et pour tout haïtien pour rappeler yo ou rappeler nous qui côté nous sorti et puis pour travailler ça servir à l'histoire et puis pour faire nous changer que pour Haïti changer il dépend de nous-mêmes et là les mêmes jouer un rôle central dans tout mouvement, dans tout aspect ou en l'élevé de côté de la vie quotidienne. Si on souhaite que le travail moins rete ou prenne servi comme exemple. Et ça que m'a fait actuellement, c'est continuer non seulement travail sur collection, sur peinture, sur histoire haïtienne, mais en même temps continuer travail sur une collection qui inclut on sait des figures historiques un monde qui connectait Haïti avec Louisiane et les États-Unis durant la révolution. Gampil peinture que moi fait peinture ça c'est sur une histoire entre Haïti et Louisiane. Moi peint de monde tel que Jean-Jacques Audubon, moi peint de monde tel que Alexandre Dumas, ou peint qui était sorti Jérémie et puis qui gagne petite qui était fait ben, à Paris et puis qui vient célèbre au point sur la parlé au point Dumas fils oui, c'est ça. Hein? Et puis, on a Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, qui est considéré comme pionnier, qui est considéré comme fondateur, là, il vient des côtés des villes
ville de Chicago. En pile, l'autre encore, il y a que moi peindre, il y a pour ceux qui l'élevé de côté de ça que Haïti contribue dans l'histoire pour que ne pas oublier. Dis mon bagay, d'après ça, moi, c'est seulement en peinture à l'huile ou fait? Actuellement, c'est peinture à l'huile que moi peins. Moi, même quand je dis comme ça, c'est pas comme ça que je commence. Je commence à l'huile en Haïti. Après, moi, je viens commencer à peindre. Là, je viens rencontrer avec Monsieur Foy des arts plastiques. Yo, pendant puis, je commence à venir à peindre avec mon tel que Henri Dubray. Et puis, Dubray était, Monsieur était versatile. Monsieur était vraiment peindre avec l'huile, au point acrylique, mais et puis Monsieur Tevin montre une technique qui j'en que pour peindre avec au point acrylique, même dépasse un paquet de temps peindre avec acrylique, mais l'homme venait aux États-Unis, me vient retourner, vient peindre à l'huile là encore. C'est à dire que au centre plus à l'aise avec l'huile là que acrylique là. Bon cap dit comme ça que me sens mal à l'aise avec tout un tout deux, mais ça qui vient ça fait plus remet l'huile là plus flexible. C'est ça. Les plus flexible quand couleur que on retouche pour faire pas besoin de même si couleur pas exactement couleur que on déjà gain sur surface là mais au capable c'est facile au capable nuancer au capable nuancer les puis les paraît normal mais acrylique là parfois selon couleur si couleur pas exactement parfois ou pas capable nuancer couleur j'en t'appeler pour couleur nuancer. Il sèche vite. Il sèche vite. Et moi-même, moi, j'aime faire un peu de composition. C'est ça. Oui, moi-même, faire un peu de composition. Côté que je composé, je décomposé, je recomposé. So, avec acrylique, je vais demander un peu de confort, je vais mettre au grand gel pour mettre un paquet de bagages pour rendre que la peinture va sécher vite. Mais je suis capable de dire comme ça que, bon, en Haïti, on peut nous faire peine avec acrylique en pile parce que nous avons peine en pile murale. Et puis, c'était ça qui était pas pratique. Mais en même temps, avec l'huile là, acrylique là, on finit plus rapide. C'est-à-dire l'huile là, il faut pas qu'elle vous sèche et tout. C'est-à-dire que oui, on prend plus de temps pour peindre. On prend plus de temps pour peindre. Parce que parfois, il y a des retouches. Si que peinture n'est pas un peu séchée ou pas capable de mettre l'autre, appliquer l'autre, on l'autre couche, différentes couleurs sur lui parce que la brûle, on pas besoin d'un effet pour joindre. So, pour raison ça, on peut moins préférer peindre. Il y a un bagage que moins fait toi avec lui là pour me dire. Moi mélanger un bagage avec lui on l'autre liquide qui est les térébenthine. Non, c'est pas térébenthine, c'est liquin. OK. Oui, liquin. Moi utilise là avec lui et puis c'est que selon quantité peinture qu'il mettait hein, le lendemain même capable venir puis capable passer même sous peinture hein, au point de surface là et puis il pas les surfaces là ne pas être séchées, mais elles pas réellement séchées. Mais les séchées en surface. Oui, je suis capable de faire une touche. Uh-huh. Et moi, ébaucher peinture. Uh-huh. Et je dis, demain, le lendemain, je suis capable d'aller, moi, travailler. Je travaille sur les. C'est-à-dire que est-ce que ce style peinture à faire qui nécessitait finalement, ou du moins ce qui fait que l'huile là, puis bon, que acrylique là. Bon, on peut dire comme ça que d'une façon, c'est ça. Moi pensais que quand c'est des peintures qui m'a peint, il m'a dit pendant que moi le processus est physique là, m'a créé peinture, hein, m'a travaillé sur surface, sur canvas, parfois il m'a demandé, il m'a nécessaire pour me quitter peinture hein, pour m'aller dans la bibliothèque. Pour mal faire recherche. Parce que peinture historique, il demandait un peu de recherche. Je ne suis pas capable de me faire comme ça et puis me peindre en peinture
et puis sans que moi pas penser avec faire recherche là d'abord parce que conseil de détail qui mandé un peu l'attention pour me connaître dans l'époque là selon mon nom selon classe sociale les qui genre de rate te mettait et puis là il vient de côté de détail en rate là so tout ça mandé et mandé et on mandé pour moi les plus souvent pour me quitter peinture pour moi aller faire recherche pour me capable prendre tout détail que besoin avec ça me capable dire l'huile plus facile. Ouais. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on, dans ce sens, ça, on table comme on prend un peu de gros dimension, son bail, on va quitter le temps. Oui. Oui, il prend un peu le temps. Je peux dire que ça prend un peu le temps. Et puis, d'autres temps plus tôt, là que je travaille, c'est comme quoi que, pour moi-même, c'est quand le temps pas existé. Le temps pas existé. Et puis, parfois, je passe des heures. Et puis, passer des jours m'a passé nuit et puis m'pas capable mettre pinceau à terre. Non, c'est intéressant l'ordre du temps pas existé hein, parce que on fait des bails historiques, c'est-à-dire des bails qui ancien temps et en même temps l'ordre peine du temps va exister. C'est-à-dire que c'est une espèce de compression qui fait en temps ancien et temps qu'on est là ou absorbé, etc. Bon, temps vraiment pas existé. Quoi. Oui, pas existé. Mais, je fais un peu l'expérience. Tout, pendant que je peine, je crois c'était révolte des esclaves là, et puis avec ces cérémonie du bois caïman, à côté que moi je m'appelle. Quand je me levais à 7 heures du matin, je commençais à peindre, et puis je travaille toute la journée, toute la nuit, et puis. Et puis mal dormi le lendemain à 7 heures. Je finis de travailler à 7 heures le lendemain. Quand le ma peine, le ta peine, c'est venu du bois maintenant, et puis avec le vol des esclaves là, j'ai un côté, moi, arrivé ma peine, et puis tellement concentré dans la peinture. Hein. Et puis, je me sentis que faut que moi mette pinceau à terre, même pas capable. Pas capable. Je sentis que moi, mon force qui kembe, je ne suis pas capable de mettre peinture. Je ne suis pas capable de mettre pinceau à terre. Mais, arrivons là, il faut que je mette pinceau à terre. Je mette pinceau à terre et puis je cours. Je cours, je vais mauvais pour la toilette, là, de uriner. Et puis, mauvais pour la toilette, là, et puis, mes gros miroirs qui baillent, porte d'entrée à la face. Et puis, je regardais mon visage. Dans le miroir, je pensais que je regardais l'autre monde à travers moi-même, à travers comme. Je n'étais pas capable de croire que j'étais extrêmement concentré comme ça dans la peinture. C'est là que ça m'a réalisé. Je me dis, bon, faut prendre repos de peinture ça parce que j'étais tellement concentré. Absorbé, ma peinture. M'absorbé, et puis m'apprête des expressions personnages que m'a peint là. Le mal est dans le m'a des visages, moi, dans le miroir, c'est comme quoi que c'est même expression que moi, ouais. C'est comme quoi que moi, j'étais tellement concentré et puis m'a réalisé que moi-même, c'est comme quoi que c'est moi-même, moi, t'as peint. Nesansa, gen de imaj, gen de figu paret nan tablo yo, menm si yo ta sanse reprezenter lòt moun, se de otoportre a se mouman. Well, d'une fason, on pense ke lò gade, ke se yon ekriven, ou pen ke se yon musisyen, se yon, ou pen, se, ou moun, lè ke wap, ke so a, lè fin de kote de vou, pa kon separasyon an tou menm, avèk vou. Et c'est comme quoi que ça que ou mettez ou trans c'est quelque chose que vous même ou transférez dans l'autre dimension. Les que si vous écrit on mon habitué avec et style genre vous écrit on appelé une information pour écrit un texte
li pa bezwen konen, li pa bezwen, li pa bezwen, ou pa bezwen ekri nan sou li, pou lwè se ou men. Pase ke se kom kwa se se ou men ou transferi nan lòt dimansyon. E lèl vide de kote de la, se sa ke nou genyen universelman an koumè. Ki se yon pent, ki se yon ekriven, ki se yon müzisyen, e mwen ka ou di kon sa men, de men lèl vide de kote de teat, pou fwa genyon pati la nou men, ou pan ki... ki transfere dan kreativite artistik nou, men nou gen dwa di ke ou pan son lòt karakter, ke nou gen intansyon pou nou imite, men, vreman vre, lè ou gade ou pan se nou men, se son pati nan nou men nou transfere ou pan nan kreativite artistik nou. Tablo yo, se solman, se sutou su toi, loupen, ou pa itilize lòt support. Bon, mwen ka ap di kon sa, mwen de kon utilize lot support, men se te plus an Haiti, mwen de kon utilize hardboard, mwen de kon utilize plywood, men mwen te toujou prefere mye travay sur toile. Men ou achete, ou travay sur toile ki deja prepare ou bien eske se ou prepare toile yo? Non, le plus souvent, se mwen ki prepare toile, mwen pense ke mwen toujou pense ke le plus durab, e pi mwen gen, li sa ba mwen opotunite pou mwen fè sa ke mwen vle fè an tem de tekstur. Se sa mbe zo kompre. Ouè, ouè. Se sa. So, mwen ka ap di kon sa ke se e dozidama se mwen ki fè, ki prepare kanda. E ou achete de toal ki tre du, ou bien eske ou chou achete de toal ki fin, enfin, ki tip de toal ou achete, ensuite, ki sou ou met sou liste de gesso, combien pou chou mette, par exemple? Mwen ka ap di kon sa ke dozineman pou pren mwen utilize toal ki epè. Ok. Epè. E pi si ke se jeso ke mwen utilize, mwen pi souvan mwen utilize, mwen ka ap di kon sa ke tan pou mwen fini avèk kanva, mwen fò mwen utilize mwen 4 kouch. 4 kouch, anan. 4 kouch, e pafwa li 5 couches. Et ça a intéressé. Bon, l'autre bail encore technique qui intéressé. Mais l'abgard des tableaux, on m'en dit là, son nez qui dessine en pile. Oui. Donc, qui place dessin dans notre travail? Bon, on a dit qu'on s'est dessin. En l'ivini après, je fais toute recherche. Man. Ok. Et là que moi, mon sujet, mon gars, toujours. On peut dire qu'on sait que c'est pas moi-même qui choisis. Belvin de côté des peintures qui moi peint, là c'est pas en commission. On peut dire qu'on sait c'est sujet à qui choisis. Là, si que son peinture qui m'a demandé quand on me fait recherche, si son peinture historique lié, donc évidemment moi fais recherche là d'abord. Mais avant que moi aborde le canevas, moi fais deux trois un dessin. Oui, ou bien sur papier, mais le plus souvent c'est toujours partie centrale là, ou bien moins dessiné. Mais après l'autre partie, l'autre quelque élément, l'autre objet, ou bien que vous mettez après, mais le plus souvent pas réellement dessiné, pas dessiné yo sur papier, moins dessiné yo. Exactement sur canva, mais avant que moi aborde canva, faut me sentir que qu'on soit des communions entre moi-même avec sujet, avec ça que moi le peindre, ça. So moi pas n'est que si que ma peinture, on peinture si que c'est on peinture historique lié, moi pas faire recherche et puis lire d'abord et puis de même si que moi familier avec sujet. Mais je fais assez de recherches pour me venir arriver dans le point pour me sentir que je connais ce sujet que ça va peine. Je me sentir que moi-même avec lui sont seul. Et puis c'est le moi senti que je suis paré pour m'approcher, pour m'aborder canva physiquement. Et puis les concerts, ça vient faire plus facile pour moi. Mais okay. Si je n'ai pas fait assez de recherches, m'kaba ale m'desine, m'pare men sa ke m'desine a mwen retourne, men avan ke le ouwe mwen abode kanva, le sa se kan kou m'santi ke
moins chargé émotionnellement, spirituellement. So, je suis capable de dire comme ça que là, ça a desservi facile pour moi. Mm-hmm. OK. Mais ça, si je comprends bien, ça veut dire que recherche qui entre peinture et a dit travail ou faire dans la bibliothèque, etc. C'est comme si Mdado, c'est pas un, ou pas un peintre qui si m'a dans l'atelier ou m'a pris un pile canet dessin, par exemple. Bon, je suis capable de dire comme ça que ou a besoin canet dessin, mais c'est pour mal chercher au cours parce que yo pas besoin de gagner tout côté. Oui, non, c'est bon pour comprendre le processus là. Ça veut dire que ou dessiner quand même, ça veut dire dessiner en pile. Hein? Mm-hmm. Par exemple, bien artiste, par exemple, même si yo pas peine, yo toujours dessiner, par exemple. Oui. Par exemple, il y a des artistes, c'est dans dessin en même genre une série de bagages, tu vois. Donc, oui. D'ailleurs, mais qu'on est, est-ce que c'est même bagage là pour ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on son équipe tout n'a pas dessiné, par exemple, ou pas peine? Gagne là moi pas dessiné, mais gagne là et là que moi voulais mémoriser un sujet moins dessiné. OK. Moins dessiné pour me capable changer composition hein, parce que moi très conscient là de côté composition. Et parfois tout me connait une idée c'est écrit pour m'écrire. OK. M'écrit idée et puis parfois tout me connait mettre ça m'écrit en côté et puis m'oublier le tout. Bonjour, m'a cherché un bagage dans livre que t'a appelé là et plan même époque que m'était dessiné ou bien m'était écrit pensé à et puis on l'a m'a cherché un bagage et puis me dit me quoi c'est dans livre ça de mettre et puis m'a cherché et puis me point un bagage que m'était mettre c'est une idée pour une peinture avant d'être écrit et puis on capable dire comme ça que au point moins dessiné souvent mais pas toujours. Tout ça que je dessine, je vais toujours peindre. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Ou comment c'est parler de faire composition? C'est-à-dire que composition, c'est déjà en composition graphique, c'est-à-dire que vous composez tableau en dessin. Est-ce que vous composez... Oui, vas-y. Hein? Oui, moi, je compose en dessin, mais pas avec tout détail. Oui, OK. C'est toujours partie centrale. Là. Mm-hmm. Moi, composé. Et puis toute l'autre bagaille quand pour moins dessiner et puis toute l'autre partie quand qui vient sort à dire quand qui vient servir comme objet ou bien élément ou prendre un complémentaire yo ça que moins vient faire moins vient moins faire yo en graphique quand qu'il ligne ou prendre ça c'est ça que moi fait mais partie centrale là c'est toujours les mêmes que moi Est-ce qu'on considère que couleur à la caille est plus important que dessin? Bon, on est capable de dire comme ça que ça dépend de qui ça que ma peine. On est capable de dire comme ça que dessin et parfois c'est dessin qui fait que je une couleur selon qui ça que ma peine. Mais en même temps, on est capable de dire comme ça que parfois les que ma peine, on gagne. L'aime commencer peinture, on pensait que moi pour utiliser en couleur, mais durant processus là, selon qui temps que peinture prend, et puis on capable dire comme ça intuition, émotion, et puis pendant que m'a créé et puis l'ivine fait que moi vienne perdu au moins c'est comme quoi que tout ça que moi j'ai intention, toute couleur que j'ai intention pour me utiliser, me vienne pas continuer utiliser couleur ça. Ce couleur ça vienne plus arriver en prime vienne plus improviser. Ou ben couleur que m'étais mélangé, tout mélange couleur que j'ai fait yo, arrive en prime vienne couleur ça vienne pas important pour moi parce que pendant que m'a peindre là, c'est comme quoi que intuition émotion mélangée côté que me senti quand qu'on m'a guidé par ça qui fait là qui fait qu'a fait une suggestion et puis côté que m'a toujours utiliser toute peinture que moi composé sur palette là. OK. Mm-hmm.
Mais est-ce qu'on va constater, par exemple, parce que un artiste, métier lié, etc., fait que conseil de bagaille qui toujours à tout nez, que ce soit en termes de dessin, en termes de peinture, surtout couleur. Et est-ce qu'on a dit qu'il y a des couleurs qui sont censées vraiment caractéristiques pour le style, par exemple? Well, ce n'est pas intentionnellement, mais monde toujours fait commenter ça. On aime parler avec Carol Demis, mais Carol Demis me dit comme ça que nous avons besoin que nous puissions travailler, que nous puissions peindre un ciel devant. Et puis moi nous avons travaillé et puis lui dit comme ça que il y en a bagaille qui réellement caractéristique à moi même c'est des couleurs. Et puis l'elle dit qui couleur yo et puis me vient ouais et puis me garder toute peinture vraiment vrai et puis moi ça mais moi même pas jamais ça moi pense que pas concentré sur une couleur c'est ça son bagage qui vient naturel. Qui est dans couleur qui couleur ça qui caractérise d'après lui même et il faut ouais qui caractérise peinture. Well, ça que il était parlé, d'un vert bleu. Un verre bleu que moi utilisé que les pensait que peinture les que les ouais depuis le verre bleu ça les fait penser à moi-même et puis les pensait que dans toute peinture que une couleur ça mais moi-même moi pas jamais ça on pensait que réellement conscient de lui-même mais et l'autre bagarre encore que lui-même était fasciné par lui-même et les moins dire ça moins dire comme ça que soit couleur qu'on voit c'est couleur ouais sous surface là c'est pas couleur ça qui en bas couleur ça n'est pas ou ben gain l'autre couche ou ben couleur qui complètement différent qui pas même la même couleur ça qui en bas et puis et pendant que nous avons parlé de ça et puis d'ab ballon et on sort des d'ab montrer qui ça que ça me devait dire pas ça ou quand utiliser différentes couleurs mais l'élevage des côtés des couleurs que qui que me considérer couleurs qui me fini qui était comme couleur ou comme dernière couleur et puis l'élevage ouais vraiment vrai si vous regardez ou capable de sentir quand vous avez l'autre couleur en bas couleur que vous regardez. Ouais, ça c'est intéressant mais tout ça nous dit là mené ma l'autre question et bon par contre si vous êtes d'accord même j'ai l'impression moi dit déjà dans des chita palo faire l'autre monde ou accepter que travail ou faire li rentrer dans une espèce de tradition académique. Ah oui. Bon, alors, est-ce qu'on a fait aller sous tradition académique ça? Est-ce qu'on a dit côté le sorti, qui ça le porter, pour qui ça va adopter, tradition académique ça? Ensuite, comment utiliser et qui ça lui permet tout faire? Hein? Et qui ça, ou pas à faire avec, par exemple? Hein? Et ensuite, nous avons connu sous respecter tout principe, tradition académique ça. Bon, quand on dit comme ça que. Moins intentionnellement, moins consistant avec un principe académique là, pour un pile raison. Et en même temps, il y a des côtés moins violés, ça que nous avons dit, et même un principe académique ça, tout, parce que étant comme artiste, et nous apprenons, on sait des bagages de base, l'élevine des côtés des principes académiques, surtout l'élevine des côtés des peintures. Mais je pense que pour moi-même, je ne parlais pas senti quand je me suis dit Coco B, dans un principe standard que l'autre monde dit c'est comme ça ou ça fait. Au point de ça, il n'est pas capable de standardiser comme ça. Il y a une série de bagages de base vraiment pour l'aider.
li edem fè. Men, gen de kote m di ouwe men, pa vle rete kokobe, ou pan so, fò ke mwen fè, menm jan moun sa te vini avèk sa, ou pan men, mwen menm ka wap vini avèk lò, mwen ka wap vini avèk pam tou. Si ke m da vle, bon, ekzamp, par ekzamp, ou pan lè, nou pale lè, vin de kote de anatomi du kok, du kor humen, nou pale de proporsyon, lè m gade Léonard travaye, ou pan Léonard Da Vinci. Monsieur standardisé, l'alphine de côté de tête au monde, si qu'on multiplie huit fois, l'ibor, hauteur normal, au monde qui normal, hauteur normal. L'alphine de côté d'un petit monde qui a 5 ans, monsieur dit, si que à peu près 5 ans, si que on multiplie tête là 5 fois, l'ibor, hauteur petit monde, ou plein d'un petit monde, un bébé qui fait fête, si que on multiplie tête là, ou bien 3 fois, li bo tout longue école. Mais moi-même, moi pense que c'est li pas standard. Li pas standard. Li pas standard parce que d'après observation PAM, ou bien elle vient de côté des corps humains, elle vient de côté des proportions du corps humain et puis anatomie, ou bien moi, ouais, que, ok, si que gen de moun, si ou alo multiplier tête li, 8 fois, pour le bord longue école et la pas normal pour lui. Il y a des monde le regard des gens ni les ont gens plus long que l'autre monde. Il y a des monde ouais les vins des côtés des parties torse les plus ou pas les plus courtes ou bien plus long. Il y a des monde tête les plus petites que l'autre monde. Il y a des monde qui ont une tête. Ce qui veut dire proportion ça. Et formule ça, je pense que n'est pas toujours standardisé, mais n'est pas pour tout, n'est pas standardisé pour tout le monde. C'est pas n'est pas universel. Mais c'est un bagage que Léonard a développé qui bon, mais n'est pas même moi ouais, n'est pas comme sur l'empêtume, parfois moins faible, mais parfois tout pas fait. Et puis l'alvin des côtés des couleurs ou pas couleurs et l'alvin des côtés des lumière et ombre parfois moins capable de peindre objet mais moins garder sous lumière mais en même temps mettons l'autre lumière imaginaire so genre que on va aller moins peindre au monde et puis le regarder où la lumière c'est derrière lié c'est devant et puis le regarder sous lumière et puis avec un blanc on dit comme ça oui mais lumière ça à côté de sortir on prend fort la partie opposée à c'est un blanc qui peut être là et puis mais moi mettez un blanc mais le regarder lumière ouais faut qu'on l'autre tout bagay sa yo, yo fè pati de principe akademik lan, men mwen men gen de kote mparis, ou pan mwen di nan, mwen pren sa ke yo montre an, et puis apre mwen men mwen fè a fè pam. Parce que lè vin de kote de la, ou pan se vreman, se arrivan pren, ou pan lè vin utilize yon seri de teknik, men yon seri de bagay, e pa pou yon seri de teknik, yon seri de formule ou utilize yo purement scientifique, men ou pas capable de prendre un borné ou prendre un système côté que yo c'est comme ça supposé fait et puis côté que ou même pour pas prendre liberté ou pour faire exactement ça les faire à profit de respecter tout ça que yo là mais ou faire la façon pas c'est comme ça que moi ouais Et vous parlez de source lumière, je regarde surtout dans le tableau historique, même moi, je tourne dans un tableau et 77 que je connais, qui sont une cérémonie vaudou. Moi, a fait ombre et lumière, vraiment préoccupé. Oui, et bien, faut que je pense que moi, qui j'ai que moi, j'étais réellement accentué sur ça, et c'était un professeur artiste, moi, René, c'était plus Laurence Exumé jumeau frère monsieur et puis monsieur était qu'on accentue sur ça monsieur dit comme ça tout temps il y a plus lumière il y a plus ombre ouais yeah. Monsieur dit tout temps il y a plus lumière il y a plus ombre monsieur dit comme ça si pas gain lumière pas gain ou pas gain ombre
Yeah, si ou pa gen lumiè, ou pa gen om, ou pa gen rien du tout. Et puis, ça a toujours été dans la tête moi. Mais ça, c'est un commentaire que moi toujours fait de travail moi. L'Elvin de côté des gens que moi utilisé lumière, gens que moi utilisé ombre. Même capable de dire comme ça que moi capable parfois me contenter voir monsieur Kapdi. OK. Parce que vraiment oui, pour un objet c'est entre lumière et ombre qu'il faut voir. Parce que monsieur dit aussi si pas gain lumière pas gain ombre. Si oui. Pas gain ombre pas gain lumière. Ah. Et c'est entre les deux qui fait que qui permettent que un objet. Ah. Donc so, avec ça ou ben moi toujours prend en compte toujours prend en considération les vins de côté des les que m'a peint yon objet ou bien yon moun ou bien n'importe ça que m'a peint là même toujours conscient que environnement gen pile pou louer avec couleur personnage là ou bien couleur et yon objet on pense que si que nous capable camper on côté n'a regarder yon montagne qui est réellement loin nous ouais montagne tout le temps plus loin les plus bleu les plus gris mais pour qui ça que nous ouais couleur ça c'est parce que on prend couleur qui couleur majorité c'est espace là c'est bleu et puis tout on aller plus loin et puis couleur à varier et puis couleur objet à vivre réellement dominé par un environnement côté de placé. C'est ça et mais couleur jouent l'autre rôle non c'est le tableau gombay qui frappe c'est que bon bien évidemment gain le fait quoi sujet traité à li commander ça tout mais d'ailleurs moi dans tableau sous vos doigts c'est on préoccupation dans mise en scène dramatique dans tableau oui hein, et couleur joue un rôle là-dedans oui. Fondamental bien évidemment c'est pas couleur seulement non par exemple gain gestio gain mouvement yo etc mais bon c'est le tableau par exemple regarder quoi son Bookman etc ouais que bon on cherche une intensité dramatique oui ça Kevin et m'a dit comme ça que les que m'a peindre et les que m'a composé en peinture surtout peinture historique sur Haïti moi senti une sorte d'énergie m'a connait si une sorte de force cosmique même senti une sorte d'énergie so moi vle senti kakou énergie ça m'emporté par énergie ça et puis me senti ça que moi vle faire si que ma peine Bookman ou bien ma peine Marie-Jeanne Lamartinière ma peine Dessalines moi vle senti les que ma peine tableau ça me vle senti quand coup c'est comme quoi qui personnage là campé là devant il y en a pas que me change aujourd'hui que moi pas fin pas connais si que me élaborer sur lui assez ou te mandé pour qui ça moi vle kembe l'elvin de côté des principes académiques et puis réalistes non pas que me vle ça me vle dit m'pas get en fintil l'aime garder histoire d'Haïti l'aime garder culture haïtienne l'aime garder Haïti m'garder vie sociale m'garder toute bagaille me senti quand qu'on sort des déformations grande déformation dans tout aspect là il vient de côté de la vie. Me senti que même genre avec un pile artiste dans le passé qui était réellement passionné de l'histoire ou qui était peint histoire d'Haïti. Moi senti que
œuvre était réellement importante, mais c'est malheureux, il y a un pile qui était brûlé, qui était dans le palais national, nous perdu, ou bien combien de palais, nous avons même 3 ou bien 4 palais, ou bien 5 palais, ou bien qui explosé, ou bien ça. Et puis, il y a un pile d'œuvres artistes qui perdu, ou bien différents, ou bien temps. So, je sens que moi-même, je suis en train de face comme artiste pour me faire ça pour payer. Bien que ma vie, je quitte Haïti longtemps, mais Haïti pas jamais quitté. Ça que Haïti, moi, a toujours été avec moi. So, je sens que je suis en train de faire que je fais petit pas, bien que je pas pile. Mais je dois Haïti ça. So, c'est tout, et tout ça qui fait tout que je suis consistant. Nan kreye peinture sa yo pou mwen dokumante mémoire collective nou comme haïtien parce que nou gon sous nou gon seul identité collective. Et m senti que avec toute déformation qui fait la caille nou que c'est montagne qui déboise que c'est ravine qui pas gain de l'eau ou bien qui pas ou prendre que qui craser ou prendre que c'est route qui craser que c'est dans système éducation non il a retiré ou prendre instruction civique et morale un livre qui est réellement important pour nous mais qu'on pas que l'école qui exclut en pile bagaille qui fait que c'est la politique ou prendre senti qu'un conseil qui anormal qui déformé so pour raison ça moi-même m'pa vle déformer dans façon visuelle ou ben vle peindre l'on monde l'on petit monde ouais peinture pour pas gagne ambigu côté que pour y penser ah ça sûrement c'est ça ça sûrement c'est ça m'vle pour yo connaît que c'est histoire yo moi-même artiste là bien que m capable personnellement m capable bal ou ben capable ou bien c'est une gain propre imagination ou bien mais tout ça que moi fait les fait les basé d'après l'histoire d'après recherche que moi fait même voulait faire au senti que partie ça pas déformé histoire d'Haïti était comme un exemple so tout ça qui pour fait là nous gagnel ou bien que les documenter la peinture que les documenter dans ça que ou écrit comme historien ou prendre ça que yon musicien dit la chanter ça que yon poète ou prendre dit ça que on acteur dit la pièce théâtrale li ou prendre somme passé ka kou li nécessaire pour que nous changer côté nous sorti so, pour raison ça moi dit non pas peindre en abstrait mais capable de peindre abstrait, capable de peindre n'importe façon. Et en Haïti, j'ai commencé à peindre comme un artiste impressionniste. Et ben, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Mais je suis capable de dire comme ça que je ne voulais pas déformer l'histoire parce que je déforme tout le bagaille. Je suis déformé le pays. Le pays a crasé, il a déformé, il a perdu la forme. Tout bagaille ou ben moi-même senti que mon corps est défense me voulait qu'aimer tout bagaille ou ben non état normal en forme normal pour qu'il y a mais on est pas conscient que vous faites mais ou pas déformé mais peut-être qu'on idéalise tout yes ou pas déformé mais peut-être qu'on idéalise on sait de bagaille oui Carlo 10 minutes oui 10 minutes ok. Oui. Ah, 10 minutes pour finir? Oui. Oh là 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 là. Nous beaucoup non bon. OK, d'accord. Bon. De toute façon, l'elle finit, elle finit. Bon, nous plaît pour nous dire toujours là. 15 minutes. Mais, 10 à 15 ça, minutes. Et tu vas couper tout ça hein, le commentaire. Non. Ah non. On va c'est pas possible. Mais c'est ah, très non, intéressant. Couper. Oui, non, mais le commentaire qu'on est en train de faire là, toi et moi, donc il faut couper ça. Bon, en tout cas, oui, Mdab dit que ou idéalisé, mais ça me dit, bon, bah, ou dit que
Gwa fè de enerji, fos kosmik, etc. E mwen trouve soldi a nan seri de personaj. Par exemple, gen, par exemple, la, tal anote ou yon couper de canne, etc. C'est-à-dire que mwen gwa seri de personaj, e majorite personaj, yo toujou bien musclé, bien campé. Ouwe, zam do lan. Donc, tout moun yo bat kon sa, par exemple. Non, tout moun yo bat kon sa, men... Mais même quand on dit comme ça, comme on dit, on peut idéaliser. Mais en même temps, on joue un monde qui consacre tout, ou pas joue un peu le monde qui consacre. Mais ça que moi, je voulais montrer tout, là, que moi, je peux un personnage qui est en mouvement, et puis musclé, sué, qui travaille dur. Ça, je voulais montrer toute force, non. Tout ça que nous avons besoin pour nous aller vers l'avant. Pour développement nous gagnons dans nous même la propre énergie nous ou bien que c'est énergie physique énergie mentale ou bien que énergie ou bien spirituelle mais nous gagnons tout ça que nous gagnons ou bien so les que moins peint en tableau que son bataille que moins peint livre plus pour moi que juste ça que de représenter ou prendre pour monde universellement. Open. So, on dit comme ça que les mots peint en scène, ça me voulait montrer, que la vie lui-même, c'est une bataille. Open. C'est une bataille continuelle, c'est une lutte. Mm-hmm. Et nous-mêmes, pour nous gagner indépendance, nous, nous avons bataille pour lui. Mm-hmm. Et tout ça qu'on a fait dans la vie qui est positif, le printemps, les mandés, mm-hmm. qu'on ait un effort, qu'on ait une énergie. Ou prendre que nous utiliser, nous épuiser pour nous arriver à atteindre ça que nous voulons faire. Mm-hmm. So, les que moi peine en scène de bataille en Isolaïti, ça me voulait montrer que ou prendre lutte là, est toujours là, ou prendre la lutte, ou prendre continuer. Mm-hmm. So, c'est pour montrer que nous toujours dans la bataille pour qu'on finisse mm-hmm. dans tout aspect. Mm-hmm. Oui, bon, alors, donc nous parlons de questions académiques. Là, ça veut dire que au bon formation académique, et nous supposons que formation académique, ça, elle était commencé depuis Haïti. Oui. Bon, venez essayer, on a juste ralenti bac pour t'a dit nous. Bon, on prend formation initiale ça, dans foyer des arts plastiques. Commencez par dire nous qui ça foyer des arts plastiques là t'y est, qui l'a créé, pour qui ça, qui monde qui l'a créé. Bon, foyer des arts plastiques, on a parlé des foyer des arts plastiques qui était créé, qui était fondé dans les années 50, parce que bon, comme on connaît, on prend un pile monde de vin qui était foyer à, parce que il y a monde qui était différent. Et différentes visions, et puis visions étaient diversifiées. Côté que vous deveniez potomitant, tout pareil. Mais ça, on va parler, de l'autre. Et même fois, il y a des aplastiques, mais c'était un monde tel que René Exumé, ou bien qui était reconstruit, ou bien ça que nous avons fois des aplastiques, que je vais parler de lui maintenant. Ce côté que René Exumé lui-même était pris ça en charge et puis il était dépensé pour l'argent parce que lui-même il était différentes façons que il était généré l'argent dans différents commerces. Et puis il devait rencontrer avec lui et c'était dans le lycée Pétionville, il était pour un coup de sein, c'est comme ça que je devais rencontrer avec lui. Et puis me rencontrer avec et puis après me venir rencontrer avec Frella et l'avocat Exumé qui vini que qui réellement vin monde qui vin important l'envie côté que en pile ça que m'a fait jodia c'est grâce avec non seulement René Exumé qui était réellement cruel elle vient de côté des principes académiques hein? Et puis d'autres plus tôt où tu gagne un Lavorancy Frel qui était réellement au plan au monde que me capable dire comme ça qui était réellement fondamental au plan et côté que des capable aller et
Le kan kou pa gen kou, kan kou kap fèt lan fwaye ya, ou pa moun kèp de kawal. Se te moun tel ke l'avorans exume, ou kote ke ou pan se te atelier se te domè de fwaye ya, ou an menm jan avèk René ki te rete la menm zon nan. So m de pasan pe l tan ou an avèk l'avorans exume surtout. Kote ke an prinsip akademik lan, son bagay ki te toujou ou pan avèk yo aplike ke se te nan fwaya, ke se te nan domen fwaya, se te nan atelier ou pan moun sa yo, man pale lèl vin de kote de René e l'avansi, de frèr, ou pan so. Mka ap di kon sa ke mwen menm tou, pou komanse, de menm lèk ke mda fèt de sen, avan ke mde vin konsyen lèl vin de kote de prinsip akademik, mte reyelman gen yon amou pou la natyur, pou sa ke mwen wè, pou wèn lèl vin de kote de kor humè. So, mpase ke tout sa ke te edem, epi doutran plus tou, pendant ke, durant tan sa tou, ou gen l'avansi exume, en exume, ki te toujou gen kontra tou, ou prenan deyo de fwa yè, ki te toujou gen kontra avèk hotel tel ke domen ideal, ou pren kote ke yote kon ale al pent, ou pren suto l'avansi, epi kote ke mwen mèm avèk ou pren lot artist, te kon al participe, ou pren nan participe pi pen mural, parce que te gen un contrat avec un domaine idéal, pi hôtel d'Ambala, mkwe le palace, mais c'était plus domaine idéal et d'Ambala, kote ke nou passe des heures, ou pren pen, ou pren a pen mural, a pen différents sujets, ou pren mais tout bagay sa ou sa ke li edem, te edem kako l'elvin de kote de rapidité, on pense que on pas gagner le choix frotter peint au mural longtemps au point qui était relativement coûte mais ça que parce que l'aime peint mural là sont jeunes artistes tels que surtout Lavorancy ou et puis René Exumé Lavorancy Exumé surtout qui était gain contrat et puis côté que forme de toujours côté monsieur que nous a venir faire critique ou pas des critiques qui ça que n'a fait qui ça que n'a fait et puis ça qui était dem c'est parce que n'était un artiste qui était réellement des jeunes mais n'était réellement sérieux en termes de n'était prendre toute bagaille au sérieux en termes de développement au point à part de monsieur Exumé qui l'autre monde qui t'a enseigné dans foyer. Well, parfois te kon gen Renal Exumé, ou pan te gen Renal Exumé, et puis te gen yon lot Camille, bache e pa Camille Roche. Te gen Camille, et puis te gen yon certain Wilner, et puis te gen yon lot, mwen kwen se te Gérard et Jean, mwen kwe se Gérard Jean-Charles, ki te kon, men, te kon seri de moun jwen, e pi, lè ke yon moun pat seryè, pat reèlman seryè, li yo pat kapabre te l'anfwaye de sa pasi kapase, e lè vin de kote de mèt exumé, msye te reèlman son moun ki te reèlman seryè, si ke yo pat seryè, ou pan se ke pas capable prêter puis de temps plutôt me croyait te gagne en bagarre côté que tel que monde qui était un peu plus grand passé tel que Henri Dubray ou quand Dubray était dans foyer ou quand là que me définir rencontrer Dubray pas là encore mais Dubray c'est un artiste que me capable dire comme ça que qui était réellement aidé ou quand parce que monsieur c'était un artiste qui était gagné en pile en pile mérite, en pile qui était réellement prolifique. Monsieur était travaillé en pile et puis monsieur... Donc, pas de grand pile, l'élève laisse ça en foyer. Non, pas de grand paquet. Pas de grand paquet. Mais qui qualité court de faire comme ça? Non, c'est ça. Au point, c'était plus au point, l'élève de côté des coups de sein, au point de sein, et puis coup peinture, l'élève de côté des couleurs, au point, et
parallèlement de côté des perspectives et puis l'élevé de côté des géométries, ou pas de l'élevé de côté qui fait partie des compositions hein, ou en anatomie, parce que l'élevé de côté des maîtres humains, c'était un monde qui était réellement. Qui aime d'accord dire ça? Monsieur, c'est un monde qui était réellement concentré, qui était réellement soucié de l'élevé de côté des principes académiques. Est-ce qu'on a commencé à exposer en Haïti, là, t'es dans le foyer? Ou t'es qu'on a vendu bah, comme ça? Bon, on a dit comme ça que moi, pas trop du comme ça que t'es qu'on représente le travail, moi. Et puis, le travail que moi, t'es plus fait quand on quitte que t'es vendu, c'est pas trop du comme ça dans le foyer de sa place. Il était jamais fini, ou bien c'était toujours dans le domaine, non? C'était toujours avec. C'est le monde qui était réellement soucié, qui était transformé ça, c'était la France exhumée. Mm-hmm. Mais qui était qu'on exposé le travail, moi, et puis, mais moi-même, moi, pas. Les pas, il y en a pas là que y'a été quoi, quand on sait que c'est autant le monde qui t'a pris une peinture, ou pas capable, ou pas le vendre pour le travail. Vous songez qui artiste, par exemple, qui était dans la même promotion avant dans le foyer? Je suis capable de dire comme ça que mon kankou, moi, changé, je suis allé certain Whistler, parce que si monsieur, c'était juste. Et puis, il y a mon tel que Ewol Jean-Baptiste, et puis, il y a Pierre, c'était Pierre Toussaint. C'est pas Pierre Toussaint. Et puis, tu as Pierre, ou pas, c'était Pierre Dieudonné. Non, ouais, c'était Pierre Dieudonné. C'est une série de monde, parce que moi-même, là que moi, parce que moi-même, moi, j'étais réellement jeune, et puis, côté que, je me changeais, à une époque, là que tu as ou pas, René Exumé était venu bâti, là, René Exumé était venu boîte, construire ma barouille, galerie foyer de sa plastique là Kenskoff et puis côté que nous t'es con en groupe artiste nous t'es con aller chaque week-end chaque samedi et puis y a le peintre dans galerie hein? Et est-ce que enfin si vous comprenez bien ou plus ou apprendre plus de bagailles là aux États-Unis que l'autre dans foyer ou du moins ce qui ça en plus ou apprendre aux États-Unis qu'on peut apprendre dans foyer. Well, on capable dire comme ça que bon et ça que m'apprendre ou pas penser qu'un coup moi apprendre plus avec la France exhumée et ça que moins changé que là que moi aller là me venir aux États-Unis et puis là m'aller dans Philadelphie et collège Inda au coin collège des arts et puis me changer et le moins là m'apprend surtout là d'apprendre coupe peinture me changer que j'ai aussi des principes académiques qui étaient qui étaient fait partie des curriculums là me changer que le ça m'était tellement étonné et puis pour moi ça que m'était apprendre en Haïti et puis au grand suite avec la France et puis moi vinoué que c'est ça qu'il a enseigné au grand avec du en collège au collège d'art aux États-Unis et puis professeur il y en a professeur peinture yo il était qu'on les Mr. Perfectionist. Monsieur Perfectionist. So, parce que ça que tu as pensé hier, c'est aussi des bagages que tu as déjà appris. Okay. Tu as déjà appris et puis, yo vin, c'est là ça, moi, vin apprendre à apprécier. Yo. Moi, pas de comprendre. Moi, pas de passer quand c'est un bagage, quand tu as appris comme ça et puis, que qui pas. Ou bien que tout artiste connaît. Mm. Et puis, après, je viens de que je ne peux pas prendre un bagage qui était important et puis je ne peux pas réaliser ça. Ou bien, sauf des gens qui pensaient que c'est un bagage de base. Ou bien, sauf des
principe de base, au point que tout artiste suppose qu'on est, mais ce n'est pas vrai du tout. Et puis, il y a des tout pendant la classe, et puis, tu es comme bien. Il y a deux élèves, tu es comme dit comme ça, là, que professeur peinture après les. Et monsieur perfectionniste. Et puis, il y a bien deux élèves, il dit comme ça que, ben, pour qui ça que le vide n'a? Est-ce que le vide n'a pour le vide fait nous sentir nous pas qu'on a rien? Parce que C'est c'est ça. pour qui ça. Ouais. Carlo, Mais. Carlo, Oui. I regret. It's so good, but I'm worried that we can't upload it all. And we can schedule another one because it's very, very good and fascinating. And I Non, love it. And we need this information from all of the details on formalities. But I'm scared it won't download and upload. So I have to ask you to do a last closing, please. OK. Thank you. Bon, de toute façon, nous arrivons à la fin de la discussion. Seul bah, je vais demander à l'artiste là, s'il a commenté un ou deux tableaux, bah, nous, quelques, disons, s'il a fait commenter sur, bon, comme par exemple, le temps, commenter un tableau ou deux tableaux. Bah, voilà. On peut dire comme ça que il y en a peinture quand qui était marqué là que m'a peindre c'était peinture Marie-Jeanne Lamartinière. C'est une peinture qui était marqué parce que là que m'a peindre non seulement moi j'ai fait expérience c'est la même époque ça mon maman était mourue. Mais je joue une tête moins à peindre un tableau côté que personnage qui l'a peinture hein, rappelait l'expérience que j'ai fait le moment à côté que ma maman mourit et puis me senti que moi vin perdu un monde qui est réellement important en vie mais dans le moment que j'ai peint tableau hein, c'est comme quoi que c'était presque en prédiction. Parce que moi, peine Marie-Jeanne qui a un bon soldat, pendant, qui n'a pas de courage, qui est blessé pendant qu'il est dans le champ de bataille. Son peinture qui est capable de dire comme ça, que chaque fois que je regarde, c'est ça que c'est, les rappeler, me faire revivre le moment. Et puis, son peinture qui était difficile pour moi, était peine à l'époque. Si que son peinture qui peut te prendre un mois, deux mois, mais au point d'être pas capable, c'est comme quoi qu'il aime ta peindre et puis me sentir que c'est ton bagage personnel. Et puis, pour raison ça, peinture te prend même deux fois tant que on a peine. C'est le moment où je vais mettre Bon, eh bien, merci en pile. Moi, j'aime bien quoi de parler ça en vrai, mais j'espère qu'on a bien chance de continuer à discuter sur une série de l'autre sujet. Parce que c'est plein d'autres questions encore. Il y a moins content, oui. Mais oui, moins content au grand échange là, moins content interview. Hein. Et puis, je pense que au grand, on a continué. On va continuer à faire parce qu'on fait un bon travail. On va passer ça que on va faire, on va documenter la fin de côté des histoires, on va aller là, on va aller puis parce que c'est réellement on fait un bon travail parce que on sont source d'inspiration pour les jeunes, qui grandit parce que c'est ça que on va documenter demain qui va servir pour prendre comme inspiration pour l'autre. So, merci un peu au point du fait que tu es passé à moi-même et puis merci pour ta. Merci un peu, mais attention, bien important toujours. Ah! Monseigneur, au point de ça, au point de l'importance de tout, au point de l'inclure parce que. Ouais. On va mettre lumière pour nous.